Partager ses passions et augmenter ses revenus? C'est possible. Chacun a un trésor d'expérience et de savoir. Il serait idiot de se priver de cette richesse, n'est-ce pas? Pourtant, nous n'osons pas. Distraits par notre anxiété, nous pensons ne pas être légitimes, ne pas savoir enseigner. Seuls à faire face, nous sommes les plus souvent submergés. Alors que grâce à une communauté qui nous soutient et que nous soutenons, les obstacles fondent et on avance plus loin que l'on aurait pu l'imaginer. Pour vaincre la peur et les blocages, nous croyons en la force d'un partage qui connecte et qui fait vibrer. Peu de solutions innovantes sont massivement mises en place pour la formation au métier et à la société de demain. Les compétences techniques, mais aussi les comportements personnels comme la créativité et l'intelligence émotionnelle, et les compétences sociales comme la communication et le leadership sont nécessaires. Tous les acteurs économiques cherchent ces profils alors qu'ils manquent sur le marché. Le besoin d'innovation par l'accroissement et la circulation de la connaissance est l'une des clés pour adresser les principaux enjeux économiques et sociaux, mais aussi écologiques. Il faut créer un écosystème circulaire de la connaissance, dynamique et durable, qui s'enrichit en continu. Voilà ce que j'écrivais dans un article en novembre 2019. Extrapreneur, avec le soutien de l'Agence Wallonne du numérique, s'est mis au défi d'adresser le problème de la formation au métier et à la société de demain. Dolph Academy, composé de Michel et Mathieu, a choisi l'axe des savoirs non valorisés. Le marché de la formation est axé sur la demande. Les besoins de l'étudiant, du chercheur d'emploi, du professionnel en formation, au détriment complet de l'offre, talent, savoir, savoir-faire du citoyen ou du professionnel désirant transmettre. Les désirs et les besoins du formateur sont peu pris en compte. Il en résulte un gisement extraordinaire de connaissances formelles et informelles endormies, enfermées dans les personnes, figées dans les organisations où elles ne circulent pas. Elles dorment dans les cerveaux, les mains et les cœurs. Les solutions actuelles sont les formations traditionnelles qui sont structurées mais rigides d'un côté, et de l'autre côté les MOOC et le tuto web qui sont super riches mais peu structurées et sans interaction. Toutes offrent peu de contact humain, de coopération et de passion. En suivant la méthode originale extrapreneur, nous avons dessiné un modèle et établi un plan. Le cœur de notre solution, ce sont les formateurs en devenir et les savoirs non scolaires. Un modèle pédagogique unique pour l'apprenant et le transformateur. Un parcours ludique qui vise au développement personnel et professionnel. Des formations en présentiel ou en ligne, qui se donnent en petits groupes interactifs pour favoriser la confiance en soi et l'émergence de réseaux locaux et résilients. La simplification et l'automatisation des activités de support permet de se concentrer sur l'humain et la relation. Dolph Academy amplifie les activités d'échange de savoir à une échelle non connue à ce jour. Pour les activités non-core, nous avons déjà établi des partenariats avec Odoo pour le Front Office Web, un catalogue de réservations State of the Art, avec des recommandations personnelles et des outils de marketing, le Airbnb de la formation pour adultes. Une plateforme d'e-learning qui sert pour les formations en ligne, mais aussi pour le support aux formations en présentiel. Et bien sûr, des communautés pour soutenir le cœur de notre activité. Pour le back-office, nous avons un partenariat avec MySherpa qui s'occupera de la rétribution des transformateurs et des tuteurs via leur plateforme C2C, reconnue par le SPF Finance. Nous avons aussi un accord avec TaxiStop afin d'offrir une solution de covoiturage pour chacun de nos cours en présentiel. Oui, car il ne faut pas oublier que Dolph Academy a d'abord pour objectif de contribuer à un monde plus riche et plus durable. Dolph Academy a été incubé chez Extrapreneur, qui est un programme de formation à l'innovation systémique et multisolution à travers des projets qui répondent à des enjeux sociétaux multiples.
La prochaine étape, c'est la validation de notre modèle pédagogique original qui met la valeur sur les personnes plutôt que sur le contenu. Nous pensons qu'il est possible de transformer n'importe quelle personne qui a une volonté de transmettre en un formateur. Notre hypothèse sera validée si nous recueillons un bon niveau de satisfaction, tant des formateurs que des apprenants.